Ces dernières semaines ont été particulièrement joyeuses pour Marion Rousse. Le 10 octobre, l'ancienne sportive a été nommée directrice du Tour de France Femmes. Une bonne nouvelle annoncée par Christian Prudhomme, le directeur de la compétition cycliste. On est très content, Marion, que tu nous rejoignes. On est très fiers et très heureux. Tu as été championne de France de cyclisme sur route. Tu es consultante sur France Télévisions avec un œil exceptionnel, je le dis. A-t-il déclaré à l'antenne de France 3. Une nomination qui a particulièrement ému l'intéressé. Sur le plan privé, Marion Rousse est la maman de Nino, un petit garçon venu au monde le 14 juin dernier. Proche de ses abonnés sur Instagram, la jeune femme n'hésite pas à partager de tendres clichés de son bambin. Fruit de sa relation avec le cycliste Julien Alaphilippe, accompagné de tendres déclarations. Une habitude qui semble ravir les internautes, toujours très nombreux à commenter ses publications. Ce samedi 13 novembre, c'est au cours d'une promenade dans les bois que Marion Rousse s'est fait photographier en compagnie de celui qu'elle nomme son trésor. Une fois de plus, c'est en compagnie de son fils que Marion Rousse a choisi de se montrer sur Instagram. Partager le bonheur et la beauté de la nature avec son trésor le plus précieux, a déclaré l'ancienne sportive en légende d'un cliché au cours d'une promenade. Les visages souriants de Marion Rousse et du petit Nino semblent d'ailleurs avoir charmé les internautes. Tout choupinou, trop mimi, quel beau sourire, adorable petit bonhomme. Toujours le sourire en plus, dans toutes les circonstances, la banane pour Nino. Qu'est-ce qu'il est mignon et ce beau sourire, peut-on lire parmi les centaines de commentaires. Un tas de compliments qui ne manqueront pas de ravir la championne.